La balade en moto, pour moi, c'est quand même beaucoup de plaisir. C'est pouvoir s'échapper, pouvoir avoir de la liberté, passer des bons moments entre copains. On cherche surtout à avoir des petites routes un petit peu sinueuses, un peu vallonnées, avec un esprit campagne plutôt bucolique où on prend plaisir à aussi lever les yeux, regarder. En tapant randonnée moto Sarthe, on arrive à avoir ces différents parcours. Il y en a trois. Avec un roadbook, des petits explicatifs des lieux où on peut s'arrêter, faire une pause pour manger, pour dormir. C'est des parcours d'une bonne centaine de kilomètres, ce qui permet de passer une journée agréable. Et les coins que j'ai préférés et que j'ai aimés étaient la forêt de Bercé, qui était aussi très impressionnante par la nature qu'on peut y retrouver, et les routes très sympas, et avec ces routes un peu rouge-orangées qui donnent leur effet, et les Alpes Mancelles qui est un peu la balade incontournable, en tout cas le secteur incontournable de la Sarthe. Ces petites balades du week-end nous permettent de découvrir les petits artisans du coin, le petit bistrot du village. Grâce au circuit, grâce à toutes les structures moto, les différents professionnels qui sont présents sur le Mans, on arrive toujours à préparer sa moto pour ses sorties. La Sarthe aime beaucoup les motards, on le voit à travers les 24 heures du Mans, le Grand Prix moto. Même les habitants du Mans et de la Sarthe sont plutôt très, très sensibles au monde moto, à l'esprit moto.